à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Vous vouliez peut-être un jour sur YouTube avoir un fond vert pour faire des vidéos transparentes, c'est-à-dire avec un fond transparent derrière et mettre vos propres designs. C'est maintenant possible pour pas très cher avec ce fond vert portatif. C'est-à-dire qu'en plus, vous pouvez le transporter. Il est pas très cher et vraiment, il est pas mal. Allez, on va faire le unboxing. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Oui, ça, c'est sa sacoche de transport. Si vous aviez besoin de le transporter quelque part. Et à l'intérieur, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour commencer à monter votre fond vert. Donc là, nous avons les supports métalliques. Voilà. D'autres supports. Et encore la dernière partie des supports. Vous avez donc les pinces, toujours. La toile fond vert avec un beau vert, hein, très très beau vert. Là, vous avez un fond blanc. Donc au final, fond noir, fond vert et un fond noir, un fond vert et un fond blanc. Vous voyez, on se fout pas de, on se fout pas de vous. Et franchement, ce produit n'est pas vraiment très très cher pour la qualité. Maintenant, nous allons monter ce fond vert. C'est parti. Donc nous allons prendre ce premier support avec les pattes. Vous voyez, c'est réglable, hein. Votre fond vert est réglable sur la hauteur. Alors évidemment, on va essayer de le régler de la même hauteur, hein, tout de la même hauteur. Donc là, ça s'agrandit encore ici, hein. Donc c'est un grand fond vert, hein, à savoir, voilà. Vous voyez, vous allez vraiment pouvoir faire un... Vous voyez, alors je vais le reculer, mais vous voyez, là par rapport à moi, on en est là, ok ? Donc nous allons placer le deuxième fond. Voilà. Donc nous avons le deuxième fond. Ça, c'est la barre de suspension. Alors, oui, vous emboîtez comme ça. Là, vous avez deux petites Pinocchio. Hop. Voilà. Là, pareil pour celui-là. Vous avez deux petits Pinocchio, vous enfoncez. Voilà. Donc vous avez plusieurs, vous pouvez la régler sur plusieurs longueurs, mais là on va dire que déjà celle-là c'est super grand et moi ça me suffit amplement, donc je vais pas mettre toutes les barres. On aurait pu mettre toutes les barres, hein, mais ça... Donc maintenant, vous dégoupillez les petits trucs là, et après il faudra regoupiller évidemment. Voilà. Vous prenez aussi la rondelle bien entendu. Ouais, d'ailleurs j'aurais peut-être dû les dégoupiller. Ouais, j'aurais peut-être dû les dégoupiller, vous voyez. Là, vous prenez ça, vous dégoupillez, vous prenez la rondelle. Alors, attendez, parce que là, vous voyez pas. Vous placez, hop, le deuxième ici. Voilà. Vous voyez, ça tient bien. Maintenant, on va remettre la rondelle. Comme ça. Ici, on la remet aussi. Voilà. On peut refermer les petits trucs. Il faut savoir que vous avez toujours ces petites pinces et donc ça va être pour accrocher le fond vert. Donc, je vous ai dit, hein, vous avez un fond noir. Un fond vert et un fond blanc. Alors à savoir, moi je vais prendre le fond vert, c'est ça qui m'intéresse. Donc on va tester ça. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Voilà, la structure est montée. Donc maintenant évidemment je vais aller en intérieur faire le fond vert parce que vous voyez bien que là avec le vent c'est pas fait du tout pour être à l'extérieur. Donc ça, à la base, le fond vert se fait à l'intérieur. Mais voilà, donc vous voyez, ça marche nickel.
Le fond est bien, c'est bien tendu. On peut régler la hauteur, la largeur. Tout est modulable, tout est réglable. Moi, je vous le conseille. À bientôt sur de beaux fonds verts pour mes vidéos. Mais là, il faut aller à l'intérieur. Allez, salut! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.